Bonjour pour ce nouveau Michel Midi spécial. J'accueille Victor Dédache, l'animateur du site français Le Grand Soir, un excellent site, presque aussi bien que celui d'Investigation. Non, vraiment formidable. Et Victor, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup, qui est très courageux, qui fait ce site-là presque tout seul. Et c'est un travail extra extraordinaire. Et il a attiré mon attention il y a un mois sur la situation épouvantable de Julian Assange. Il a dit il faut faire quelque chose, il faut lancer une campagne, il faut faire connaître. Les gens ne sont absolument pas au courant. Et donc, euh, ça m'a touché. Et euh, Attaque Bruxelles a organisé hier soir un débat qui. Euh, je mets l'affiche. Qui était donc Les vérités de Julian Assange. Et dans ce débat, nous avions Victor qui était venu de Paris pour témoigner spécialement. Il est en contact avec la maman. De Julian Assange. Il y avait Raphaël Correa, l'ancien président de l'Équateur, qui vit en Belgique actuellement et avec qui InvestiAction est en contact, et moi-même. Et donc, euh, c'était une réussite. On a eu 120 personnes alors qu'on avait mobilisé en quelques jours. Et beaucoup de gens étaient très indignés de la situation, se sont euh, dit Mais qu'est-ce qu'on peut faire Et je crois que l'idée est vraiment. Euh, venu, il faut faire quelque chose. Euh, j'ai fait un petit entretien avec la maman de Julian Assange et à ma grande surprise, j'ai appris que c'était la première fois qu'il y avait un meeting de solidarité organisé avec Julian Assange. Moi, je croyais que ça se faisait déjà depuis longtemps. Donc, quelque part, j'ai eu un peu honte. Tiens, ça fait longtemps et on n'a encore rien fait. Euh, Victor, pourquoi est-ce qu'il faut sauver Julian Assange Il est vraiment en danger je crois qu'il est vraiment en danger, danger sur le plan personnel, ça c'est sûr, <coughs> danger de santé, euh, danger de répression encore plus forte que maintenant. Il faut comprendre et expliquer aux gens que ça fait maintenant huit ans qu'il est euh, enfermé euh, dans les locaux de l'ambassade d'Équateur à, à Londres. Donc euh, c'est l'ambassade qu'on voit ici, c'est un oui, étage de un, ce bâtiment. C'est un étage de ce bâtiment et c'est un tout petit ambassade, hein, qui n'est pas très 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 grande. C'est l'Équateur, c'est euh, euh, c'est pas l'ambassade des états unis on va dire donc euh, déjà l'espace est relativement confiné on peut dire qu'il n'a pas vu la lumière du jour depuis ou le soleil depuis environ 8 ans euh, ce Il n'a est... pas vu le soleil depuis 8 ans ouais il n'a pas le droit une torture bien sûr que c'est une forme de torture il y en a il y en a qui disent à, à, à raison d'ailleurs que même un un serial killer qui a découpé des enfants et fait disparaître leurs corps dans des bains d'acide, eux, ils ont droit à une heure de promenade par jour mmh. au soleil. D'accord Donc Julian Assange est en train de subir quelque chose qu'aucun prisonnier euh, n'aurait à subir dans un pays occidental euh, civilisé, on va dire, euh, si ce n'est pas un oxymore. <laughs> euh, voilà quoi. Et en plus, et... les situations se sont aggravées ces six derniers mois, six, sept derniers mois, dans la mesure où. Le nouveau gouvernement de l'Équateur lui a imposé. Oui, il y a eu un... un changement hein, ah, a radical. Su... Jusqu'à du... jusqu présent, on va dire que le, son accueil était entouré d'une certaine bienveillance de la part du gouvernement équatorien qui lui avait accordé l'asile. Mm -hmm. il, il y avait jusqu'à là une sorte de logique, on va dire. Et en fait, les choses ont, ont commencé à changer il y a 6-7 mois, lorsque le nouveau gouvernement ultra-réactionnaire qui a pris la succession de Coréa euh, est en train de littéralement marchander la liberté de Julian Assange. Mais comme il a eu euh, entre-temps la nationalité équatorienne, que euh, ça ne se fait pas d'expulser comme ça. Un mot pour qu'on comprenne, parce que oui. les médias ne parlent plus du tout de l'Équateur. Non, pas du tout. Et hier, Raphaël Correa nous a appris des choses intéressantes, c'est qu'il y avait eu une entrevue secrète du nouveau président euh, de l'Équateur avec euh, Michael Pence, le, le vice-président de Manafort. Il a dit Manafort. Ford, Manafort, un envoyé de Trump. Et que là... Euh, Lénine Moreno s'est vraiment prostituée en quelque sorte oui. en acceptant, un, d'isoler le Venezuela, oui. deux, de se, leur fournir, de leur livrer Assange, et trois, de donner le pardon à Chevron qui avait pollué pendant 20 oui. ans l'Amazon la, et qui n'était absolument pas puni, bien que condamné en, en justice. Et donc c'est une trahison politique, c'est ça qui explique euh, cette forme de torture maintenant. Une trahison politique et une forme de torture... Euh... Ils ont monnayé, ils sont en train de monnayer euh, Julian Assange avec les États-Unis. Alors euh, juridiquement, c'était compliqué pour eux parce qu'entre-temps, Julian Assange avait été... On lui a donné la nationalité euh, équatorienne, donc il ne peut pas être expulsé d'un territoire équatorien. Mais ils sont littéralement en Équateur aujourd'hui, en train de chercher le moyen d'annuler sa citoyenneté, voir s'ils peuvent le, euh, le truc, le, le, le lui enlever. Ils veulent le vendre, en fait. Oui, le vendre. Et la deuxième solution, qui est la plus élégante pour le gouvernement équatorien, ce serait simplement de le pousser... De le briser psychologiquement pour qu'il sorte de lui-même, de ça leur lui. le C'est ce que tout le monde pense qu'ils sont en train d'essayer de faire. Il faut savoir donc que depuis 6 ou 7 mois en dehors du fait que ça fait 8 ans qu'il est isolé depuis quelques... cette année-ci, ils ont lui imposé des conditions sous couvert qu'il aurait trop parlé, qu'il aurait mis l'Équateur en difficulté par rapport aux relations avec les autres pays ou je ne sais pas quoi. On lui a imposé un strict régime de pas de visite. Il est maintenant obligé de financer lui-même euh, sa nourriture. Euh, on se demande comment, puisque en même temps il n'a pas accès à l'extérieur, il peut pas circuler. On lui oblige à payer ses frais médicaux. On se demande comment, puisqu'il ne peut, peut pas avoir accès à des frais à soins médicaux. Il n'a pas droit, droit à des visites. Il n'a pas droit à un ordinateur. Il n'a pas droit au téléphone. Voilà. Donc c'est un prisonnier qui a les pires conditions du monde. Pire condition du monde, probablement, oui. Euh, il est en isolement permanent depuis 6-7 mois. On dit que l'isolement euh, en cellulaire au bout de 15 jours est considéré comme de la torture. Euh, Julian Assange, ça va faire maintenant 6-7-8 six, six, mois qu'il est dedans. Ouais. Sans parler de, des années précédentes où il avait un peu de liberté de mouvement, etc. Donc, je crois qu'il y a une course contre la montre. Maintenant, on va revenir à la question pourquoi sauver Julian Assange. Il y a une véritable course contre la montre pour plusieurs choses. Un, sa santé. Je ne pense pas qu'aucun homme puisse tenir aussi longtemps, Ou je ne connais pas, je ne suis pas médecin, mais je suppose qu'il y a des limites qui vont forcément euh, être atteintes un jour ou l'autre. Et deuxièmement, il y a le côté politique, c'est qu'il y a une véritable manœuvre qui est en cours entre la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Équateur, pour euh, trouver un moyen, on va dire relativement élégant, même si ça sera une crapulerie en bas en race campagne, mais ils cherchent un moyen élégant pour le livrer pieds et poings liés aux États-Unis d'Amérique, où il n'a commis aucun crime, aucun délit. Mmh. Où on, il va risque voir, de... on va voir qui est Assange. Mmh. Euh, D'abord, j'avoulais qu'on discute. Tu ne m'as pas demandé pourquoi j'ai mis cette écharpe rouge. Ah, je suis obligé de te le demander. J'ai mis cette écharpe rouge parce que je voulais avoir l'air aussi con que Christophe Barbier, hein, un de ces commentateurs de la télévision française qu'on voit un peu partout dans tous les journaux. Et je ne sais pas pourquoi il met ça. On dirait que ça lui donne un air intelligent. Moi, je trouve que ça lui donne un air con, mais je vais le mettre comme ça en, en hommage à ces non-journalistes, à ces fake journalistes comme Christophe Barbier. Il y en aurait eu d'autres. Bien, investigation a donc son Christophe Barbier, mais alternatif. Alternatif. Voilà. Euh, je voulais dire, Wikileaks quand même a une image, bon, il y a des choses sympas, mais il y a aussi une image pas très nette, que c'est des hackers, des clandestins, qui ont volé des documents. Donc c'est quand même un peu illégal, on dirait. Oui. C'est comme ça, en fait, quand on commence à s'intéresser à l'affaire, parce que j'avoue que j'avais... Wikileaks était un peu dans la marge de, 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 de ma vision, comme ça. Et, étais, et, et, et le degré de désinformation est quand même assez impressionnant. Je veux dire que c'est un affaire, un cas d'étude, mmh. réellement. Alors, pour revenir à Wikileaks, un, Wikileaks n'est pas une organisation de pirates. Les gens ont du mal à comprendre ça. Wikileaks est une maison d'édition tout à fait officielle qui est avant tout. Une maison d'édition, un média, on va dire un média du 21e siècle, un média moderne qui profite des techniques modernes pour faire quelque chose de moderne. Après tout, la publication de fuites, ça n'a rien de nouveau. Et on a eu les Panama Papers, on a eu les Pentagon Papers, cest à l'idée que des gens aient des informations à, à livrer, ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est les moyens technologiques qui ont été mis à la disposition des gens. Donc, c'est plutôt des journalistes hébergeurs. Oui! Et que ça, ce sont d'abord des journalistes qui, quelqu'un a une idée de génie en disant, tiens, on va profiter de la technologie moderne. Exemple, quand les Pentagon Papers sont sortis en 76, il y avait 5000 pages. En 76, on n'allait pas publier les 5000 pages dans le New York Times, hein, d'accord Donc ils ont publié quelques extraits, etc. Donc on sait ce qu'il y a dans les, Panama, dans les Pentagon Papers. Euh, à propos des scandales de la guerre du Vietnam. De Nam, etc. Mais sans qu'on sache tout, puisque, en tant que lecteur, moi, j'ai eu droit à des extraits et je spécule sur le reste. Voilà-t-il que Wikileaks arrive et dit Nous avons l'Internet, nous avons l'électronique, nous avons des bases de données, etc. Vous savez, les gars, on va non seulement euh, révéler des documents, comme avant, mais la différence près, c'est qu'on va tout vous donner. C'est les premiers journalistes 2.0. Exact. Mmh. Les premiers journalistes 2.0. Des informations non filtrées. Non filtrées, voulons mmh. pas dire balancées en vrac. Hein. Ils révisent leurs documents. Il y a quand même des choses qui ne sortent pas. Euh, je, plutôt que, moi, je ne suis pas passé pour dire qu'il y a ne sort pas, je ne suis pas au courant. Mais ce qu'ils font, c'est qu'il y a des... Ce qui peut mettre en danger la vie d'une personne. Ah, ils vont le sortir, mais simplement faire ce qu'on appelle « redacted » en anglais, enlever le nom, etc. etc. Voilà. Faire ce que faisaient tous les journalistes. D'ailleurs, au début, Wikileaks pensait et voulait travailler avec la presse mainstream. Hein. Oui. Il s'était mis en partenariat avec des grands médias comme oui, New York justement. Times, en France Le je Monde. Je voulais un peu poser cette question. Euh, il a quand même fait la une de Time, qui est un hebdo oui. bien pensant aux États-Unis. Oui. Il a euh, travaillé avec ouais. euh, New York Times, euh, El País, Le Monde, Guardian, etc. Ouais. Donc l'attitude des médias par rapport à lui, au début ils ont un petit peu joué avec, maintenant moins, pourquoi ben, Je crois qu'au début c'était une sorte de curiosité, ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir jouer avec, et puis finalement, euh, je pense surtout qu'ils ne savaient pas encore où ils allaient mettre les pieds. Parce que... Ils ne se sont pas rendus compte bah, peut-être qu'ils se sont rendus compte, peut-être qu'ils l'ont récupéré, peut-être qu'ils l'ont attiré dans un piège. Je pense que, de, bon, comme ça, à vu de nez, c'était un petit peu d'inconscience de, 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 de leur part. Pourquoi Parce que l'esprit de Wikileaks, c'était la vérité avant tout. Et la vérité, il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de demi-vérité, il n'y a pas de semi-vérité. Euh, euh, on va aller jusqu'à dire le paradoxe suivant que j'aime bien en dire aux gens, parce qu'on leur reproche, par exemple, d'avoir publié les, les, les journaux sur la guerre d'Irak. Mmh. Euh, la, la couverture qu'on a vue là, de Time tout à mmh. l'heure à l'instant, euh, euh, le titre traduit en français, c'est ⁇ Voulez-vous connaître un secret ?⁇ En d'autres termes, les journalistes ne voient dans ces documents que l'aspect secretif mmh. des documents. Mais on peut tourner la question très facilement et dire ⁇ Mais ce n'est pas l'aspect secretif qui m'intéresse, c'est l'aspect criminel ⁇ Alors bien sûr que les crimes sont secrets. Celui qui les commet, il ne va pas les crier. Donc il faut bien que quelqu'un les dénonce. Donc quand on dénonce un secret, un crime qui a été gardé secret, Qu'est-ce qu'on est en train de dénoncer, un secret ou un crime mmh. Et si on ne le dénonce pas, on devient complice d'un crime. Donc il est hors de question pour moi de considérer que Wikileaks n'est qu'un mmh. un un éditeur de, de, de secrets, parce qu'en soi, les secrets ne les intéressent pas plus qu'eux que moi. Qui va risquer sa vie, parce qu'on va parler de ça Juste pour publier des secrets, on n'est quand même pas des paparazzis, Wikileaks. Donc, tu es en train de me dire qu'en fait, ce sont des vrais journalistes et que c'est pour ça que... Des vrais journalistes et le terme dénonciateur veut dire ce qu'il veut dire. C'est pas mmh. euh, dénonciateur, lanceur d'alerte, c'est-à-dire dénoncer la réalité derrière un ap une apparence officielle, prouver que ce qu'on dit, les critiques, est vrai. C'est des preuves, des preuves, parce que généralement issues des mêmes personnes qui prétendent dire autre chose. Mmh. pas... Hein, quand on publie les mails de Hillary Clinton, par exemple, ce n'est pas, pas juste pour voir sa vie intime, c'est pour prouver que dans ses échanges, elle écrit avec Et ses le contraire de ce qu'elle vit en public. Voilà. On, va, on va creuser ça parce qu'on en a parlé hier, c'était intéressant. J'ai quand même une question. Euh, Assange, c'est devenu en quelque sorte la... Figure publique de Wikileaks, mais ouais. tu es en train de me dire que c'était une équipe et les autres ont des problèmes ben Les autres n'ont pas de problème d'abord parce qu'ils ne font pas l'objet de poursuites. On a pris, on sait, on, 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 comme on fait quand on attaque un journal, regardez comme tout est logique aussi. Mm -hmm. Quand on attaque un journal, on attaque pas les journalistes, on attaque le rédacteur en chef. Mm -hmm. Et euh, Julian Assange est le rédacteur en chef de Wikileaks. Donc c'est normal qu'on s'en prenne à lui. Oui, mais c'est aussi une équipe avec des gens qui ont mis au point des systèmes très sophistiqués pour ne pas pouvoir se faire Alors, espionner par la NSA. Il y a, y a un côté frustration, j'imagine, de la part de services de sécurité qui n'arrivent pas à percer les secrets technologiques de Wikileaks. C'est quand même des génies informatiques qui ont été à, à, à l'origine de Wikileaks, pas des simples hackers, pas des spécialistes en cryptographie qui s'amusent à. Ce sont vraiment des gens qui ont une conscience politique, avec une conscience politique, ont décidé de mettre leurs connaissances au service du public. Euh, donc, ils n'ont pas réussi à percer le. le... Et je pense qu'il y a un côté de frustration aussi de ça, parce que Wikileaks, en fait, qu'est-ce que c'est C'est un portail. Mmh. Un portail, ça veut dire une adresse internet où on peut se rendre, qui garantit deux choses. L'anonymat de la personne qui se connecte pour euh, fournir mmh. euh, des données. Une donc, garantir. de sécurité. Oui, mais garantir l'anonymat, ça veut vraiment dire le ce sécuriser. que ça veut dire, parce qu'il y a, y a, y a, y a... Ah, au stade où on est en train de jouer, ici, il s'agit des questions de vie ou de mort. On n'est pas en train de publier les photos de la princesse je ne sais plus qui, ah. euh, Saint-Nus, etc. Euh, donc l'anonymat. Et la deuxième chose qui est super importante et qui, qui, qui l'un sans l'autre, n'a aucun sens, c'est l'authenticité des documents. Mmh. Jusqu'à présent, en dix ans d'existence, peut-être plus, Wikileaks a, a, fait un, a eu un parcours sans faute. Jamais on a mis en doute les documents oui. euh, publiés par Wikileaks. Il faut quand même rappeler, euh, ils le font, qu'ils ont travaillé pendant dix ans, ouais. qu'ils ont sorti dix millions de documents, et tu es en train de nous dire qu'en gros, ils n'ont pas fait d'erreur. Non, tout s'est vérifié juste. Oui, les seules erreurs qui auraient été commises, ce sont des journalistes professionnels encartés du Guardian qui stupidement ont laissé euh, publier littéralement publié dans un livre, un mot de passe qui a permis de télécharger un, une, des archives complets sans mm -hmm. qu'ils soient passés par le filtre de la révision. Bien, mais tu n'as pas tout à fait répondu à ma question. Je demandais ouais. si les autres membres de l'équipe Nutilix ont connu des problèmes. Alors officiellement, non. Mm -hmm. Officiellement a son importance parce qu'il y a le vernis juridique aux farces là, qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Mais cela dit, il faut quand même souligner que deux des inventeurs du portail, c'est-à-dire l'outil technologique qui permet, sont morts. Mm -hmm. Tous les deux suicidés, un à 26 ans, l'autre à 30 ans. Il y en a un troisième qui était proche de WikiLeaks, qui vient de disparaître lors d'une randonnée en Finlande. On a trouvé son kayak avec toutes ses affaires. Apparemment, son téléphone a été rallumé à Francfort ou Stuttgart en Allemagne pendant quelques secondes. La police finlandaise, il a pas. Je dis, on n'est pas en train de simplement, on n'est pas en train de jouer à un jeu ici. c'était mm -hmm. un véritable cas d'histoire de, de, de vie ou de mort. La, la vie de Julian Assange est en cause ici. Je mm -hmm. pense qu'il y a des forces qui veulent sa mort à lui. À ceux des autres. Les autres, pour l'instant, ils ont l'air d'être relativement protégés, mais je ne crois pas qu'il s'agit d'une de, 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 histoire qui va s'arrêter là. Je veux dire, tant que les fuites d'un certain niveau continueront, mm -hmm. euh, la répression continuera. Connaissant les Américains tels qu'ils sont, ils ont un contre à rendre à Julian Assange. Ils ne pardonnent rien. Ils n'ont pas perdu la révolution nicaragouienne, ils n'ont pas perdu la révolution cubaine, ils n'ont pas perdu la pardonné la révolution iranienne. Euh, la rancune tenace. La rancune la... Plus donc, que la rancune. Julian est... Assange, lui, de mm. toute façon, quoi que, même si WikiLeaks devait disparaître, promettre, je pense qu'ils ont la rancune tenace parce qu'ils estiment qu'ils ont des leçons à donner. Julian Assange va payer. Dans leur esprit, il va payer. Même euh, si on... voilà. Je voudrais, euh, je voudrais insister quand même parce qu'il y a une image qui a été construite et mm. quand on interroge les gens qui ne suivent pas ça de près, euh, ils te disent, bah, Assange, c'est un violeur, donc euh, il doit être poursuivi. Oui, ça c'est très intéressant aussi si on regarde le fil de la narrative par rapport à cette histoire d'Assange, comment il a évolué avec le temps. Lorsqu'on examine les choses au début, il est d'abord euh, convoqué à un entretien euh, pour une relation sexuelle sans préservatif. Ensuite, il est convoqué à un entretien pour un acte de violence sexuelle. Mmh. Ensuite, il est recherché par la police pour viol, oui. pour une affaire de viol. Oui. Et ensuite, il est accusé de viol. Et ensuite, il y a un mandat d'arrêt pour viol. Alors que, pas jamais, en aucun cas, il n'y a eu ni plainte, ni dépôt de plainte, ni accusation de viol. Il a fait l'objet simplement d'un entretien, d'une enquête dans le cadre de convocation à la police. Il s'y est rendu. Il a attendu que la justice suédoise l'autorise à sortir du pays que les gens comprennent bien que la justice suédoise n'a jamais demandé l'arrestation de Julian Assange à l'époque où les choses se sont déroulées. Il a eu l'autorisation officielle de la justice suédoise de quitter le pays. Il a quitté le pays. Il s'est rendu en Angleterre. Donc, j'insiste, il n'y a en fait pas de plainte. Non, pas de poursuite. Jamais. est il y a Bien jamais. sûr, il n'y a jamais eu de plainte. Il n'y a jamais eu d'affaire. L'image reste. Oui, très fin, ouais, très finement des joué là. même sur des gens comme nous, non Oui, mais ça a joué. Même, même nous. On est tombé dans le panneau. C'est quand avoir. même incroyable pourtant est pour déroder, hein Pourtant rodés. Mais pas parce que je assez. pense. Que, ils, ont, ils ont joué le coup de la grenouille dans l'eau le, dans le, tu sais, chaude. C'est qu'ils n'ont ils pas balancé le mensonge comme ça et nous, on n'a pas réagi. Petit à petit, on dose, comme on ça, les choses sont rentrées dans notre esprit. Et finalement, on a eu l'image imprégnée en nous qu'il y avait quand même quelque chose en guise sous ou roche. J'interromps, fin... c'est ouais. intéressant hein, parce que même des gens qui travaillent jour et nuit, et littéralement jour et nuit, sur l'information ouais. peuvent se faire avoir oui. par la construction d'une image. Et donc, ça, c'est un appel très important. Il faut vraiment se méfier. Quand vous entendez euh, quelque chose sur quelqu'un, sur un mouvement, sur un pays, etc., mais faites attention. Moi, ça me rappelle quelque chose. J'ai rencontré, il y a longtemps déjà, en Amérique latine, euh, Cardenal, qui était le ministre de la er culture, Ernesto Cardenal, lui, ministre de la culture du Nicaragua. Le Nicaragua, pour les jeunes, c'était un pays qui avait tenté, qui a réussi. Une révolution, ils ont renversé le dictateur somosiste euh, ami des États-Unis qui possédait la moitié du pays. Et euh, les États-Unis, Carter et puis surtout Reagan, ils ont fait quoi Ils ont miné les ports, ils ont financé une armée de terroristes pour semer la terreur chez les paysans, les médecins, etc. Pour les vraiment contras. déstabiliser le pays, les contrastes, avec de l'argent fourni illégalement en échange de drogue, etc. Donc, etc. Iran Contra. Enfin, voilà, le fameux iran Contra -Gate. Et en plus, il y a eu une campagne médiatique effrayante dans les années 80 pour dire que les sandinistes au pouvoir au Nicaragua euh, mangeaient les petits bébés, brûlaient les Indiens, terrorisaient la population. que C'est vraiment la dictature épouvantable. Et donc, je reviens à ce que disait Ernesto Cardenal à l'époque. Il disait « Quand je vois ce que les médias disent de mon pays que je connais bien, le Nicaragua, je me dis que je ne dois rien croire de ce qu'ils disent sur les pays que je ne connais pas ». Et ça, je crois que c'est un avertissement ouais. très, très important. Oui, oui, je connais cette phrase et je l'avais oubliée, mais c'est exactement ça. En fait, c'est exactement ce qui m'arrive. Les journalistes ou les gens me disent, Victor, tu es trop méfiant. Mais le problème, c'est que ce n'est pas à moi d'être euh, confiant dans les médias, c'est à eux de regagner ma confiance. Moi, je les ai vus à l'œuvre, j'ai vécu leur désinformation, j'ai vu la manipulation, j'ai vu jusqu'où ils pouvaient mentir. J'ai connu le Nicaragua dont tu parles, là, je l'ai fréquenté beaucoup, beaucoup, etc., et d'autres pays. Donc, c'est à eux de regagner leur confiance en moi. Moi, ma position de méfiance est tout à fait naturelle, parce que c'est du vécu. Donc, euh... mmh, Bien. On lui reproche aussi d'avoir faussé euh, les élections aux États-Unis et d'être informé par les Russes. Mmh. Par les extraterrestres aussi, etc., mmh. etc. Je veux dire, cette campagne de Gate. il y a deux affaires complètement différentes. Russiagate, il ne faut pas le prendre comme une affaire qui concerne directement Wikileaks. Je pense que c'est un problème qui concerne la santé mentale de l'establishment libéral américain mmh. actuellement. Ils sont partis dans une sorte de course au lièvre. Libéral, centre-gauche. Oui, enfin, démocrate. ce qu'ils appellent le Liberals. Qu appellent les liberals. Ouais, ce qui C'est notre Macron à nous, alors que ce serait quoi Donc, euh, d'une sorte de chasse au lièvre, d'une un, histoire de. Les Russes auraient. Euh, enfin, l'absurdité de la chose est tellement mm. euh, grande que je n'ai pas envie de, de, de perdre De toute façon, le, ils tellement... ont balancé des documents sur la Russie Donc aussi, dont on ne Comme j'ai dit, donc... dit tout à l'heure, mais je l'ai dit tout à l'heure, Wikileaks mm. garantit l'origine des sources. C'est un de leurs points de force, sinon, euh, je veux dire, il n'y a pas. Donc euh, quand on dit que c'est les Russes, pourquoi pas les extraterrestres, pourquoi pas les Nord-Coréens, pourquoi pas les, etc. Il y a absolument aucun indice, aucune preuve, et même quand même bien, parce que c'est là la cerise sur la gâteau, quand même bien que ce serait les Russes. Et alors, est-ce que les documents sont vrais ou pas Je veux dire, qui dit que les Panama Papers n'ont pas été livrés par les Russes Hein? Ok, on fera ça pour une prochaine émission ouais. Bon, euh, on n'a pas encore parlé Beaucoup de la Grande-Bretagne Pourtant, elle joue un rôle important ouais. Ce qui se dit, c'est qu'Assange est recherché Par la police, ouais, il se faux. soustrait à la police faux. Donc, réponse faux. Faux. Alors, pour reprendre l'histoire Quand Julian Assange a quitté la Suède tranquillement officiellement, avec l'autorisation de la justice, il a attendu deux mois, hein, alors qu'il était là juste pour une conférence, et que ses cartes de crédit avaient été bloquées, il avait été sans argent, ne pouvait pas bouger. Euh, il a réussi donc à revenir de Suède pour la Grande-Bretagne, et c'est là que Wikileaks a publié cette fameuse vidéo qui est encore dans l'esprit de tout le monde, même si on a oublié que c'était Wikileaks, Collateral Murder, meurtre collatéral, qui montre un hélicoptère américain en train d'assassiner des journalistes, en train de leur tirer dessus en direct. C'est la caméra de l'hélicoptère hein, qu'on mmh. qu voit. Euh, un journaliste de Reuters quand même. Euh, marrant quand même dans le documentaire, je crois qu'ils ne l'ont pas précisé, le documentaire qu'on a vu hier. Et son assistant photographe. Alors, les Américains se défendent en disant qu'on croyait qu'il avait une mitraillette à la main. Ils ne pas faire la différence entre une caméra. En tout cas, les images, on voit que les gens étaient en, en train de discuter dans la rue, que ce n'était pas un bataillon de combattants ni rien de tout ça. Mmh. Donc cette vidéo-là est probablement l'un des premiers, en tout cas ce qui a touché le grand public ou qui m'a touché moi, peut-être tout simplement, de crimes de guerre. Commis en, en bonnet du forme. On entend les pilotes en rire, euh, recommencer à tirer sur des gens qui sont par terre, etc. Et c'est là que les choses sont s'enveniment pour Julian Assange. C'est là où, mystérieusement, la fameuse affaire dont on vient de parler, qui était close, qui n'en a jamais vraiment été une, en Suède, un nouveau procureur demande de rouvrir le dossier et d'interroger Julian Assange. D'interroger, questionner, genre, euh, est-ce que vous pouvez en parler plus Et Julian Assange se méfie. De ça, parce qu'on lui demande de se rendre en Suède de nouveau. Et Il a peur d'être extradé. Il a parce que WikiLeaks découvre qu'il y a un accord d'extradition entre la Suède et les États-Unis qui permet d'extrader de simples témoins. Ah oui. Alors que les États-Unis n'ayant pas porté plainte. Ouf, oh, oh. Donc on peut extrader quelqu'un sans fournir de preuves. Oui, exactement. Les donc oui, donc sentant un sorte de piège. Et étant au courant des... Les autres pays du monde, quand ils veulent extrader quelqu'un, ils doivent fournir un dossier. Oui, et la justice locale bien sûr. Mais les États-Unis sont au-dessus de tout ça. Ah il bah y a des tas de conditions. Par exemple, la France ne va jamais extrader quelqu'un vers un pays, premièrement, par exemple, où on pratique la peine de mort. Mmh. Parce qu'il y a des conditions d'extradition. A... On n'extrade pas n'importe qui pour n'importe quoi. Parce que sinon, un pays dictatorial pourrait dire, il a commis un crime chez moi, il a dit du mal du roi. Donc là, en fait, les États-Unis sont en train de violer le droit international. Ah ben bah ça, tous les jours, dans Comme cette de... affaire. Comme d'hab, étant dans tous les jours, et dans cette affaire particulièrement. Mmh. Donc quand ils Refuse de faire ça, ce procureur lance un mandat d'arrêt international contre lui, comme s'il avait commis un crime. Alors qu'elle aurait pu l'interroger via, via Skype, elle aurait pu se rendre en Suède, comme des procureurs l'ont déjà fait dans 40 affaires. Euh, tu veux dire, le procureur aurait pu Suède venir en Dresde bretagne Oui, l'interroger. Ouais. Euh, Julian Assange aurait pu être interrogé par vidéoconférence, etc. Et pendant des années, elle a refusé, elle a émis ce mandat d'arrêt international. Très bizarre d'ailleurs. Comme au que... Brésil, la justice a instrumentalisé oui. Ah oui, à mon avis, oui. À l'époque, on ne l'appelait pas comme ça, mais maintenant, avec le recul, mmh. l'eau faire, oui. Oui, oui, un cas de l'eau Donc il se fait arrêter par la police britannique dans le cadre de l'application du mandat d'arrêt. Julian Assange voit le piège se refermer sur lui parce que l'accord dont je te parlais entre la Suède et les États-Unis, elle-même ben existe entre l'Angleterre et les États-Unis, peut être extradé sans preuve. Ah oui. Et d'ailleurs, l'historique. bon, la Grande-Bretagne pourrait aussi dire euh, non, y a... les preuves sont pas Alors, suffisantes. Alors, l'historique, l'histoire des extraditions, des demandes d'extradition entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, le bilan est très clair 100% est accepté. Toutes les extraditions sont sauf, toujours acceptées. Sauf une très récemment. Mmh. Mais historiquement, à l'époque en tout cas, aucune. Oui, toutes sans discussion et sans présenter de preuves. Il suffit de que les États-Unis demandent quelqu'un et ce quelqu'un est extradé. C'est le maître du monde. Alors, d'où maintenant la panique, si je puis dire, qui s'empare un peu de Julian Assange, qui sent bien qu'il va finir aux États-Unis où il n'a aucune chance d'avoir un, un procès équitable. Il finira à Guantanamo. Pour, probablement. Et pour une raison simple, pourquoi il n'aura pas un procès équitable Parce qu'il ne devrait même pas avoir de procès du tout. Mmh. Je rappelle aux auditeurs que euh, Julian Assange n'a commis, écoutez-moi bien, et comme disent les, les, les anglo-saxons read my lips il n'a violé aucune loi aucune, insti, aucune juridiction dont il dépendait jamais rien il a rien le dossier est, vide, non. Le dossier est totalement est vide il s'agit de vengeance et d'un cas de politique de hystérie autour mmh. d'un type qui normalement si ce cas s'était présenté n'importe où dans le monde on serait tous et la presse serait complètement braquée en train de hurler contre cette affaire qui paraît, avec une fois qu'on a commencé à le creuser, mais totalement surréaliste quoi. Donc je présente cette image. En fait, tu es en train de m'expliquer qu'Assange est purement un prisonnier politique. Oui, je l'affirme sans sans aucun doute dans mon esprit, il n'est que ça. Je l'affirme aux auditeurs, c'est un prisonnier politique. Ils nous ont bernés en essayant de nous faire croire que. Enfin, il y a même des gens, y compris dans les médias alternatifs, c'est ça qui me, qui me désole, qui, 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 qui parlent de l'extradition comme si ça allait de soi, que c'est dommage, mais que ça allait de soi. Alors que la question de, fondamentale est de quel droit De quel droit un pays vient réclamer quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds là-bas, qui n'a jamais été un Américain mmh. ja je veux dire, l'idée même, alors tu sais ce qu'on qu pense, parce qu'on ne sait pas exactement ce que les Américains lui reprochent, mais on pense qu'ils vont lui coller sur le dos s'ils arrivent à lui mettre la main dessus. Bon, petite marche arrière. On ne peut pas reprocher à Wikileaks d'avoir publié des documents secrets comme ça. Pourquoi Parce qu'il faudrait embarquer dans le wagon le New York Times, le Guardian, le Washington Post, même s'ils seraient capables de faire la différence et la dichotomie. Les mmh. deux points de mesure, on le connaît. Il, il peut, ils sont capables d'ignorer le rédacteur en chef du New York Times et de faire passer le reste de sa vie en prison à Julian Assange pour le même fait. Moi, ouais. je n'ai bah, bah, pas de doute. Mais bon, ils vont essayer de faire ça peut-être plus élégamment que ça. Donc, euh, ah, j'ai perdu le fil. Donc, euh, du coup, j'ai perdu le fil. Euh, on parlait de prisonniers politiques. Oui. Mais je pense que c'était clair. Ça oui. reviendra. Ouais. Je voulais justement dire qu'hier, dans le débat, il y a des choses intéressantes qui ont été dites. On a présenté aussi un film que je vous recommande de John Pilger, le journaliste australien qui est un des meilleurs, en, en, un formidable journaliste indépendant qui travaille en Angleterre. Il a fait un film interview avec Assange, c'est remarquable. On y découvre qu'Assange fait des analyses politiques vraiment très intéressantes, ça vaut la peine, c'est très intelligent et ce qui est clair, c'est que justement le problème des révélations sur Hillary Clinton c'est pas sa vie privée ou des détails, on s'en fout. C'est qu'en réalité, on voit que toute sa politique a été, a consisté à provoquer une guerre en Libye qui n'était absolument pas pour les raisons qu'elle disait, qu disait, qui était pour le fric, qui était une guerre organisée. Euh, son, son confident, la Blumenthal, expliquait très bien que les terroristes de Daesh, ISIS, étaient armés par les Saouds et les Qatar, les mêmes qui financent très généreusement la fondation Hillary et Bill Clinton, que donc il y a vraiment une affaire de corruption là-dedans. En même temps, il expliquait bien dans le film que euh, ce n'est pas Hillary Clinton toute seule, évidemment. Elle est la représentante pour le moment, mais euh, il y a beaucoup de candidats, ce n'est pas un problème, de tout un... De tout un réseau d'intérêts l'industrie de l'armement la politique les services secrets les dirigeants des médias etc qui en réalité déterminent la politique des états unis et que c'est ça en fait que on reproche à, à wikileaks c'est d'avoir fait le travail que devraient faire les journalistes à savoir démasquer la, euh, la propagande officielle c'est à dire que la com des présidents et des ministres, est exactement le contraire de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils font dans la réalité. Preuve en Alors là, j'aimerais bien citer un exemple dans le livre euh, « Fabriquer un consentement » et Chomsky que euh, investigation vient de rééditer dans la traduction complète et d'origine rétablie parce que c'est pour moi le livre fondamental sur les médias, je l'ai dit, et dans, cette, euh, dans ce livre, ils expliquent, je cite, qu'en 86 il y a eu des fuites dans euh, de notes internes de l'administration qui montraient que l'administration Reagan, le président de l'époque, avait en fait mené une campagne de désinformation sur la Libye en 1986. En fait, pendant quelques années, les médias des États-Unis ont repris, et en Europe aussi, toute une série de médias mensonges et de bobards répandus par cette administration des États-Unis, sans aucun esprit critique. Et Herman et Chomsky relèvent ceci, comble d'absurdité. Cinq ans plus tôt, la presse avait dévoilé un programme de désinformation dirigé par la CIA pour mettre Kadhafi et son gouvernement dans l'embarras et des opérations terroristes sur le terrain pour renverser Kadhafi et même l'assassiner. Mais, pardon, disent Herman et Chomsky, on n'en avait tiré aucune conséquence. C'est-à-dire que les médias, pendant cinq ans, relaient des mensonges, alors qu'ils avaient averti avant, discrètement, que c'était des mensonges. Et la conclusion d'Herman et Chomsky sur cette affaire-là est en réalité, les médias se laissent duper en permanence, mais subissent rarement l'affront de voir cette constante du prix mise en évidence par des documents officiels. Et c'est ça, au fond, qu'Assange et Wikileaks ont fait c'est-à-dire qu'ils ont utilisé des documents officiels des États-Unis et d'autres pays pour montrer qu'il y a ce qu'ils disent, ces dirigeants disent au public, mais en réalité, ils pensent et ils font exactement le contraire. Donc, au fond, je crois que c'est ça le crime fondamental d'Assange. Et ça veut dire que quand on le poursuit, ce n'est pas seulement Assange qu'il faut sauver, c'est aussi le droit à une information pour les autres lanceurs d'alerte. Je crois qu'en sauvant Assange, on va sauver même le concept de lanceur d'alerte. Mmh. S'ils arrivent à s'en prendre à Assange de, avec une, une telle facilité, une telle virulence et une telle ignomie de la part des médias complici, complices, complicité ignom, ignoble, euh, je, je me demande combien de lanceurs d'alerte dans le futur oseront encore mmh. se présenter. Parce qu'il s'agit vraiment d'un cas, d'un exemple. Hein. Je crois que c'est vraiment d'un exemple à donner. Il y a des lignes à ne pas dépasser, autrement dit, les simples lignes qui nous mettent en difficulté. Tant que les documents euh, étaient gênants au sens, euh, bon, j'aurais préféré ne pas, que ça ne se sache mmh. pas, etc. etc. D'ailleurs, on le voit que même les fuites, avec la... il, y a, il, y a, il faut souligner la complicité des grands médias maintenant, parce que les fuites, euh, au fond, quels impacts ils ont eu Je pense que l'impact sera mesuré avec le temps. Mais l'impact des, des révélations de Snowden, qui ne sont pas ceux de Wikileaks, pas mmh. exactement les mêmes, les celles de Wikileaks, sur les surveillances de la NSA, euh, y compris les, les fuites de Wikileaks sur, par exemple, l'espionnage par les États-Unis des propres politiciens français. Des propres politiciens français. Euh, Tous ces scandales qui ont été publiés aux États-Unis nous ont permis de connaître, certes, L'envers du décor, mm -hmm. mais je ne suis pas certain que, en tout cas, à l'intérieur des pays occidentaux, ça ait eu un résultat. Il n'y a, euh, a rien qui change réellement. Je veux dire, les criminels auto euh, avoués qui se sont révélés être des criminels, comme on le pensait dans leurs propres échanges, sont toujours là, se présentent aux élections, continuent de mener leur euh, vie tranquille. Et qui est-ce qui en enferme, qui est-ce qu'on cherche à peut-être euh, assassiner C'est le gars. Qui était à la tête de l'organisation, qui nous a permis de le savoir. Faire l'exemple. Faire l'exemple. Bien sûr, on est en train de. C'est pas contre une injustice qu'on est en train de sauver Julian Assange. On est en train de le, de, le, de le sauver contre les bourreaux de lui et de la une bonne partie de la planète. Ces gens-là sont des criminels. Ce ne sont pas des juges partiaux. Ce sont des criminels qui ont euh, Julian Assange entre leurs mains. C'est ça. Alors il y a une question qui se pose quand même par rapport à la gauche en France et en Europe occidentale. Pourquoi est-ce que ça bouge si peu Pourquoi est-ce qu'on laisse tomber Assange Parce que je pense que les, euh, les médias ont vu le danger d'être comparés à des vrais militants, de vraies informations brutes, euh, et l'écart entre ce qu'eux-mêmes euh, racontaient et ce que les documents de Wikileaks révélaient. Être critique de Hillary Clinton, l'icône des médias libéraux, c'est une chose. Allez voir jusqu'où euh, sa criminalité est engagée, c'est autre chose. Donc il mmh. y a des lignes que les grands médias ne franchissent pas, ne franchiront jamais, pour des tas de raisons, parce qu'ils sont financés par quelqu'un qui est etc., etc. Je veux dire que la libre bon, on peut en Il y a les médias, mais il y a aussi les mouvements politiques, les ONG Alors, des droits de l'homme. Les médias, je pense qu'ils ont réussi à construire une image. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, je crois que je l'ai dit, d'un cas de figure, d'un état d'étude. Comment ils ont réussi petit à petit en salissant l'image, en présentant Wikileaks comme de simples hackers, des aventuriers, des gars à la recherche de sensations fortes, des gens pas très nets politiquement, où on s'associe avec les Russes, on a des intérêts, on prétend être, on ne prend pas une douche mmh. tous les jours, on ne prend pas soin de son chat, etc., etc. Du vrai travail psychologique de destruction du personnage, en, pour le présenter comme... quelqu'un d'une image. Oui, quelqu'un de pervers, de sale, de sale. ils en ont, ils ont étaient à parler de son hygiène personnelle dans l'ambassade, à se gausser de son hygiène personnelle. J'aimerais voir, d'ailleurs, si un journaliste du Guardian, euh, petit bourgeois qui doit être, on l'enferme dans une chambre pendant six ans, j'aimerais voir dans quel état psychologique mmh. il sera, etc. Ça. Donc, la petitesse et la mesquinerie de ces gens-là qui ont, qui ont participé, parfois inconsciemment, tu sais, je pense que dans la presse, il y a des gens qui sont euh, préformatés, précablés, pour rentrer dans des considérations comme ça, des mépris, pour. Mmh. Euh, il suffit de leur donner l'occasion, ils le font tout seuls, tu n'as pas besoin de monter un plan. En tout cas, le plan a bien fonctionné, a tellement bien fonctionné que nous, nous, ça ne veut pas dire qu'on est infaillible. Nous, ça veut dire qu'on est tellement méfiant, tellement critique, tellement à, 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 à l'affût des mensonges. Eh ben ils nous ont eu. Je pense qu'ils nous ont eu. On va en venir. Je lis un commentaire là, de Catherine qui dit « Bon, en France, on a une révolution à mener. <coughs> Pardon, mais on va essayer de mobiliser pour Julian Assange. Promis, pétard, il y a du boulot. » C'est <laughs> bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Catherine euh Go. Oui. Go girl, go. Euh, je regarde en vitesse, euh, c'est une honte de détenir un homme qui est innocent. Oui, absolument. Merci pour vos précisions sur Wikileaks. Euh, très belle phrase de ce prêtre du Nicaragua. Merci. Euh, je n'ai pas accès au direct. Bon, euh, vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube euh, euh, sans problème. Elle sera très bientôt euh, placée par notre équipe. Bien, j'en viens à la question qui euh, tracasse tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire Alors, qu'est-ce qu'on va faire Ouf euh, Maintenant, ça, c'est mon opinion euh, vue euh, de mon point d'action qui est celui de l'agitation sur Internet. J'ai l'impression que toute cette affaire a pu se faire, a pu en arriver là, euh, d'abord à cause, comme j'ai dit, cette manœuvre, ce travail très lent, très progressif des médias d'enfermement de, de, de Julian Assange. Julian Assange, euh, j'aime dire qu'il n'est pas seul, mais il est isolé. Il n'est mmh. pas seul dans la mesure où il a des quand même beaucoup de grandes personnalités du monde, et pas que Victor et Michel. Qui le soutiennent Les plus grands journalistes d'investigation. Il y a un petit réseau là sur Internet qui. Oui, 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 oui. Et puis il y a des personnalités. Tiens, il n'y a pas plus tard, je suis obligé de prendre la feuille, Michel, parce que je ne me souviens pas de son nom, il est compliqué à prononcer. Mais le prix Nobel de la paix de 1976, il n'y a pas plus tard qu'hier ou avant-hier, Mary Maguire a proposé Julian Assange comme le prix Nobel de la paix 2019. Il a le soutien de Ellsberg, qui est quand même le plus grand journaliste connu aux États-Unis, qui a été l'auteur des Pentagon Papers. Donc il y a du monde qui est prêt à bouger. Mais les médias ont réussi. Hier, euh, ouais. Les gens ont, des gens ont donné leur adresse pour euh, la réunion de Bruxelles, pour voir ce qu'on pouvait faire. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce oh, est il y a une campagne qui peut marcher On pourrait toutes les tenter. Est-ce qu'il y a une campagne qui peut marcher Personnellement, je pense que la campagne déjà de redresser la vérité... C'est déjà pas mal. Mmh. Montrer aux autorités que Julian Assange n'est pas seul. Le boss sur Internet à son effet. Pourquoi Parce qu'ils ont réussi à faire ce crime, de l'enfermer pendant huit ans dans, cette, dans ce lieu, euh, principalement parce que le silence autour de l'affaire leur a permis de le faire. Julian Assange a résisté pendant huit ans. En tout cas, ils n'ont pas réussi depuis huit ans à le sortir. Je me dis dans un silence absolu, et je me dis que si on sort de ce silence, ça va être encore plus compliqué pour eux, parce que c'était tellement facile pour eux. Ils n'ont pas réussi. Donc je suggère déjà qu'on interpelle les médias. Reporters sans frontières, que dans cette affaire a disparu du décor, et que je réintroduis tout doucement, cette organisation de soi-disant défense des journalistes, absent du tableau, devrait être en première ligne de campagne, mais bon, euh, ceux qui me connaissent savent ce que je pense de cette organisation, Je pense, mais histoire de les citer en passant et de ne pas les laisser s'en sortir. On il demander faut demander aux journalistes aussi de se... Alors, déjà aux journalistes, en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Comment ça se fait Qu'au cœur de l'Europe occidentale, pas perdu dans les steppes de la Mongolie intérieure, là, à Londres, il y a un journaliste, et rien d'autre qu'un journaliste, vous avez réussi à l'abandonner en race campagne, euh, avec armes et bagages. La lâcheté. Mmh. Li... J'ai pas de mots suffisamment interconnu. forts pour ces gens-là. Je veux dire que naturellement, ils auraient dû oui, être. Oui, mais bon, il y a peut-être des journalistes aussi qui sont complètement Compr euh, enfermés dans leur travail, dans leur train-train. Si qui, cette... ouais. qui ont été piégés par la désinformation. Tu as reconnu que nous-mêmes, on oui, a été oui. un peu influencés oui. aussi. Donc, on va tendre la main et on va essayer de voir tout le monde qui peut exact. Qui veut bien bouger. Donc, mais ils nous entendent et s'ils ne réagissent pas, mais récemment, il y a 15 jours à peu près, The Guardian, qui est le grand quotidien mm -hmm. libéral anglais, a sorti un article assurément faux, de bout en bout, fabriqué où mm -hmm. Manafort, un des ou politiciens néo-américains, aurait rencontré Julian Assange dans l'ambassade à plusieurs reprises. Oui. Bon, Wikileaks a répondu très rapidement, montrez-nous les vidéos, c'est l'ambassade le plus surveillée au monde, montrez-nous, montrez-nous, montrez-nous. Il n'y a eu aucune rétractation pour l'instant de mm -hmm. Guardian, qui n'a même pas répondu. L'article est devenu la risée de la planète, parce qu'il va jusqu'à décrire le pantalon que portait Manafort euh, pour aller visiter Assange, etc. Là, on est passé dans un, dans un niveau supérieur où un grand quotidien laisse passer un article manifestement faux de bout en bout, fabriqué pour. Euh, donc, je n'ai pas trop de comment de confiance dans la presse officielle. J'amène à des journalistes, oui, à titre mmh. individuel, qui comprennent ce qui est en train d'arriver, qui se soient fait avoir, euh, euh, peut-être. Mais ça prouve qu'ils peuvent se faire avoir assez facilement dans d'autres cas aussi. Hein. Ok, bien. Donc, pour résumer la phase 1, ce serait certainement parlez-en autour de vous, ouais. diffusez ça au maximum, faites des traductions, prenez des contacts, interpellez vos journalistes, interpellez vos, vos associations locales. Ça, c'est la phase 1. Après, je crois que ça sera bien que les gens qui veulent bouger se réunissent et réfléchissent qu'est-ce qu'on peut faire Est -ce que il faut faire des démonstrations à l'ambassade, est-ce qu'il faut faire des boycotts de telle ou telle grande firme ou banque de tel ou tel pays. Je crois que le boycott a un impact sur a eu un énorme impact pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud, a un impact qui fait mal à Israël, donc pourquoi pas ici prendre des actions de ce genre, des actions citoyennes et tout ça basé sur l'information évidemment. Donc je pense que une brève conclusion Bref, le, le combat de Julian Assange, c'est un combat pour nous tous. Euh, S'il y a un, 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 un cas symbolique, icône, l'icône des combats des temps modernes, c'est-à-dire qui recouvre à la fois la démocratie, la liberté sur internet, la transparence du pouvoir, à la limite, le combat des gilets jaunes euh, va jusqu'à là. C'est Wikileaks et on s'est pas rendu compte qu'ils étaient à, à l'avant-poste de ce combat-là. Et je crois qu'on va regretter le temps. Où il y avait Wikileaks. Si on rentre dans une dans une période où il n'y aura plus rien de similaire à Wikileaks. Ok, donc on se mobilise maintenant pour défendre le droit à l'information. Ça va être la conclusion. Je voudrais droit dire... à la démocratie aussi. Hein. Oui. Indirectement, oui, on pourrait euh, parler de ça. Il n'y a pas de démocratie sans une véritable info. On va conclure là. Vous pouvez donc nous écrire à l'adresse qui s'affichera si vous avez envie d'être tenu au courant et de participer. Avec Victor, on va discuter ça cet après-midi. On a des projets, bien entendu, là-dessus. Vous pouvez nous aider, donc écrivez-nous. Je voudrais dire en concluant que Google et Facebook étant beaucoup moins fiables, euh, on va aussi parler de ça dans un prochain Michel Midi. Euh, Inscrivez-vous à la newsletter d'InvestiAction pour être directement tenu au courant de manière fiable du maximum de choses que, comme ça. Nous sommes, vous avez donc euh, l'adresse ici. Euh, aidez-nous, parce qu'InvestiAction est en faillite, aidez-nous à engager David et à développer la maison d'édition. On a évidemment un projet de livre sur tout ça, donc on a besoin de force pour euh, y travailler. Et je vous remercie de votre euh, intérêt. J'appelle chacun d'entre vous à nous écrire et euh, nous allons conclure le prochain. Michel Midi sera mardi prochain comme d'habitude. On reprend les bonnes habitudes. Je vous remercie. Merci énormément, euh, Victor. Je remets la caméra une seconde. Excusez-moi. Voilà. Merci énormément. Au merci à vous et merci à ce que vous allez pouvoir. Je sais pas où faire... est la caméra elle est là. Oui, oui, elle est là. C'était euh, bien en face. Merci et à bientôt. Toujours dans le combat.